Tu peux réussir à bien l'intégrer dans ton quotidien, à bien travailler avec, et en fait ça va être le lot de beaucoup de métiers demain, de travailler avec de l'intelligence artificielle, d'être alimenté par l'intelligence artificielle ou d'être accompagné. Bonjour et bienvenue sur Azap. Je m'appelle Alexandre Zermati, je suis l'auteur du livre Self Manager. Je vous propose chaque semaine une conversation avec une personnalité inspirante du monde du travail. Cette semaine, mon invité est Fabien Roques du podcast Anti-Brouillard. Avec lui, nous allons évoquer l'intelligence artificielle et son impact sur le monde du travail. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. J'ai deux activités principales dans la vie. J'ai mon boulot de tous les jours, on va dire, qui est une activité chez TF1 au sein de la direction de l'innovation. Donc je suis responsable prospective et développement à la direction de l'innovation chez TF1. Alors ça ne veut pas dire que j'invente les nouveaux programmes, ça veut dire qu'en fait je travaille sur globalement l'accompagnement des équipes internes, sur l'intégration d'innovations plutôt techniques, dans leur quotidien, dans leur mode de travail, et je co-crée avec eux aussi des nouveaux produits, des nouveaux services du groupe. Donc ça veut dire pas mal de choses, mais si je dois donner quelques exemples, ça veut dire que typiquement on va pas mal les aider à intégrer typiquement des technologies qui vont leur faciliter la vie, qui vont accélérer des processus de travail, peut-être automatiser des choses qu'ils faisaient à la main, qui leur prenaient beaucoup de temps, et on va les aider à créer des outils ou à mettre en place des outils dans leur quotidien pour que ça leur prenne moins de temps. Donc ça peut être avec les journalistes, typiquement on bosse avec des startups pour automatiquement transcrire les interviews vidéo et audio en texte par exemple. On va pouvoir faire mettre en place un moteur de recherche pour qu'ils aient directement accès aux mots-clés qu'ils recherchent dans une interview de 2 heures sans forcément devoir revoir toute la vidéo de 2 heures pour trouver les éléments qu'ils cherchaient dans cette interview-là. Enfin voilà, c'est ce genre de truc quoi. Donc c'est de l'optimisation en fait des modes de travail et la création aussi de nouveaux produits et services avec eux. Et donc mon boulot là-dedans, en fait, ça consiste à travailler donc avec une petite équipe au sein de la direction innovation qui va à la fois faire la veille, c'est-à-dire détection de nouvelles tendances en termes de technologie et de nouveaux modèles économiques aussi, de business, nouveaux produits dans le monde des médias. Donc il y a cette activité de veille. Ça, en fait, on va ensuite le partager à toutes les équipes en interne. On va essayer d'alimenter les métiers. Et en parallèle, on va se servir de cette veille-là, de toutes ces infos qu'on récupère sur ces marchés, ces nouvelles technos et ces nouveaux marchés autour des médias, pour aller faire du prototypage. Et donc là-dessus, je travaille avec un développeur qui s'appelle Adrien et un designer qui s'appelle Axel. Et on va essayer de concrétiser un petit peu la recherche qu'on a pu faire pour appliquer potentiellement ces bonnes pratiques et toutes ces infos-là sur le marché, essayer de les appliquer au monde de TF1 et voir si ça pourrait avoir du sens et si c'est faisable en termes d'intégration chez nous. Voilà. Donc je trouve que c'est super intéressant parce que c'est le lien en fait entre la dimension veille-étude et la dimension prototypage, vraiment les mains dans le cambouis, je dirais. Elle a une certaine logique et c'est vraiment en fait un espèce de prolongement naturel. Donc ça, c'est assez intéressant et je trouve ça assez efficace en fait d'avoir mélangé ces deux briques en fait au sein de la même entité. Donc voilà, donc ça roule très très bien. Et à côté de ça, sur mon temps libre, en fait, je produis un podcast qui s'appelle Anti-Brouillard. Et c'est un podcast autour des nouvelles technologies. Donc très rapidement sur ce podcast-là, moi j'ai 2 formats. Ça fait 1 an et demi, ça fera 2 ans cet été, là, été 2020, que j'ai lancé ce podcast-là. Là, je suis un peu plus de 60 épisodes. Et donc, j'ai 2 formats là-dessus. J'en ai un format qui est long, qui est plutôt un format d'entretien, un peu comme celui qu'on fait là en ce moment, qui dure à peu près autour de 45 minutes à peu près. Et donc là, je vais aller faire des échanges, en fait, des entretiens avec des personnalités de la tech, des experts tech, mais ça peut être aussi des philosophes, des personnalités politiques avec qui on va aborder des thématiques autour des nouvelles technologies. Et donc l'idée, ça va être surtout d'arriver à comprendre bien en quoi consistent ces nouvelles technologies, comment elles fonctionnent et en quoi elles vont avoir un impact sur soit notre vie quotidienne, soit notre travail, le monde dans lequel on vit. Et donc ça peut être des choses comme ça peut être des choses très très techniques parfois. Donc par exemple, j'avais fait un épisode sur l'informatique quantique, où ça peut être des choses un petit peu moins techniques, mais qui sont, enfin du moins qui sont un peu plus faciles à comprendre sur le plan technique, comme par exemple un épisode que j'avais fait avec Agricool, qui est une boîte qui essaie de faire pousser, enfin qui fait plus qu'essayer, elle y arrive, elle fait pousser des fraises dans des containers fermés en très proche banlieue de Paris et même dans Paris. Et donc l'idée, c'est de se dire que dans 20-30 ans, on aura une énorme partie, enfin je dis dans 20-30 ans, c'est même beaucoup plus proche que ça, c'est même dans quelques années, on aura une bonne partie de notre alimentation dans les villes qui sera produite soit à l'intérieur même des villes, soit à proximité. Et donc ils sont sur des technologies, je dirais, agricoles en fait. Donc c'est un peu plus facile de comprendre un peu la conception de ces technologies-là, de comprendre en quoi ça consiste par rapport à de l'informatique quantique. Mais l'idée, c'est toujours de vulgariser et d'aller comprendre l'impact. Donc c'est vraiment que des sujets qui vont avoir vraiment un espèce de deuxième niveau de lecture et qu'on va pouvoir analyser sur le plan philosophique, sociétal, et sur lequel on va être amené à discuter en fait plutôt en deuxième partie d'épisode. Ça, c'est vraiment ça que j'aime bien faire, et donc c'est pour ça aussi que je me laisse la possibilité d'aller aussi sur des profils qui sont pas forcément que des experts techniques, mais aussi philosophes, politiques, etc. Vraiment, un épisode que j'ai adoré produire, c'est celui avec Gaspard Koenig, qui est en fait un philosophe mais qui a écrit un bouquin sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Il s'est lancé là-dessus. Honnêtement, à sa place, j'aurais trouvé que c'était un boulot finalement un peu complexe quand on n'est pas expert technique, mais il a vraiment bien rempli ses missions. Très honnêtement, il a sorti un super bouquin et j'étais très très content de faire l'épisode avec lui. Et ça, c'est typiquement l'exemple en fait du sujet qui est traité avec un angle qui est super intéressant parce qu'il sort de la tech pure et dure en fait. Voilà. Autour de 30 000 écoutes par mois à peu près, déjà je trouve ça énorme pour un contenu qui est plutôt, alors il n'est pas vraiment niche, mais c'est quand même, c'est pas un contenu ultra grand public quoi. Ça reste de la vulgarisation, mais c'est quand même destiné à des gens qui s'intéressent vraiment au digital et à ces mouvements technologiques. C'est pas forcément le truc que tu vas écouter le soir pour t'endormir, quoique hein, certains me disent qu'ils l'écoutent en s'endormant, mais globalement ça va pas être aussi grand public que des sujets de société un peu plus généralistes qui touchent tout le monde, ou de la fiction ou ce genre de trucs, ou par exemple des enquêtes criminelles qui vont rendre addict n'importe quelle personne. Là faut quand même vouloir aller s'écouter une heure autour de l'intelligence artificielle, mais je suis quand même super content vraiment de l'audience que j'ai réussi à rassembler. C'est vrai que c'est quand même pas mal écouté mine de rien, et même à titre perso ça m'a apporté je veux dire plein de trucs. Au-delà de la satisfaction qui est liée au fait qu'il y ait pas mal de personnes qui écoutent, ça m'a apporté des rencontres. J'ai rencontré plein d'autres créateurs de contenu podcast, mais pas que. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et d'experts qui sont en fait mes invités globalement, c'est-à-dire que tu vois, typiquement, l'opportunité de pouvoir passer une heure avec Ludovic Lemoine, typiquement, je donne un exemple parmi d'autres, mais Ludovic Lemoine, il a monté Sigfox, c'est une boîte qui est valorisée à plus d'$1 milliard à l'heure actuelle. Je passe une heure à discuter avec lui de sa technologie, enfin, c'est quand même énorme. Et ça, c'est des choses que j'aurais pas eu forcément l'opportunité de faire si j'étais pas passé par le biais du podcast. Donc, c'est vrai que je dis souvent, et je l'entends souvent dire d'autres podcasteurs, le fait d'avoir un podcast, tu me confirmeras ça sans doute, c'est aussi une bonne excuse pour solliciter des gens que tu connais pas et qui ont des expertises et passer un peu de temps à discuter avec eux, quoi. Alors, l'intelligence artificielle, si tu veux, moi je trouve que c'est vraiment déjà au départ un terme qui est très marketing. C'est vraiment ça, je pense qu'il faut retenir, c'est-à-dire que le terme a été vraiment inventé pour marketer quelque chose qui en fait recoupait plusieurs réalités techniques derrière. Si tu veux, moi je considère quand même que l'IA, c'est de l'algorithmie un peu avancée. Après, tu as des termes un peu plus techniques que intelligence artificielle, comme machine learning, comme deep learning, ce genre de choses, où là, tu commences à rentrer sur des concepts techniques qui sont un petit peu plus précis. Où là, sur du machine learning, tu sais que l'élément différenciant de ce qu'on appelle le machine learning, c'est vraiment le fait qu'il y ait un apprentissage de la machine, hein, d'où le nom. Et donc, tu as une espèce d'itération et de tu es sur en fait un algorithme qui va s'auto-alimenter, qui va lui-même définir des critères qui vont lui permettre de filtrer des données et d'arriver in fine à créer des prédictions à partir de données entrantes. Donc là, tu es sur des termes déjà un peu plus techniques. Intelligence artificielle, c'est finalement relativement généraliste en fait. C'est pas un terme qui est très, très tech, je trouve. Mais effectivement, on en parle beaucoup et parce que il y a une espèce d'imaginaire un peu collectif autour de ces termes-là, tu vois, qu'on va retrouver dans pas mal d'œuvres de science-fiction. Tout de suite, on pense à Skynet dans Terminator, à HAL 900 dans 2001, l'Odyssée de l'espace, tu vois. On imagine tout de suite en fait ces espèces d'intelligence généraliste de fiction. Voilà, on est plus dans le fantasme que dans la réalité, je dirais. Après, y a quand même une réalité autour de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que même si ça recoupe plusieurs technologies derrière et plusieurs niveaux de technicité, en fait, ces éléments techniques-là, ces concepts techniques-là, ils peuvent effectivement être appliqués ensuite dans le business et ils ont un vrai intérêt. Tu vois, quand j'entends dire en fait l'intelligence artificielle c'est du bullshit et en fait c'est juste du code, je suis pas tellement d'accord. On a quand même aujourd'hui des algorithmes qu'on classe dans cette catégorie d'intelligence artificielle qui ont un niveau d'efficacité qui sont quand même du jamais vu par rapport à ce qu'on a pu voir sur du code traditionnel auparavant. Alors, si je dois te donner quelques exemples d'applications dans le domaine des médias et en particulier chez nous, il y avait effectivement cet exemple-là, je peux la citer, hein, c'est une startup qui s'appelle Newsbridge avec laquelle on a bossé, c'est public, hein, on a fait plusieurs annonces avec elle. C'est une boîte qui bosse en fait dans les médias, pas que avec TF1 d'ailleurs. Et l'idée en fait c'est vraiment d'aller, si tu veux en fait l'idée de départ, c'est de dire que avec un algorithme d'intelligence artificielle, tu vas pouvoir trier des contenus, classer des contenus, les catégoriser et essayer plus ou moins de comprendre ce qu'il y a dedans. Et donc en fait, l'idée c'est d'appliquer cette technique-là à des contenus journalistiques, ce qui te permet de faire plein de choses derrière. Donc je parlais de ce qu'on appelle le speech to text, qui est en fait la transcription de la voix en texte, qui te permet du coup d'aller créer un moteur de recherche qui te permet d'aller rechercher dans ce texte-là. Ça te permet en fait, globalement, de t'aider énormément dans ton montage. Tu vas pouvoir typiquement aller faire aussi de la traduction automatisée de tes contenus. Donc, par exemple, tu fais du speech to text et après tu traduis ce texte-là dans une autre langue, ce qui veut dire que peut-être quelqu'un qui n'est pas hyper à l'aise en chinois, ben, s'il fait une interview d'une personnalité qui parle en chinois ou qui récupère des images d'une personne qui parle en chinois, il va pouvoir passer sur le texte en chinois et ensuite traduire en anglais ou en français et du coup commencer à sélectionner plus ou moins une scène pour son montage qui va être pertinente. Par exemple, après, Newsbridge a intégré plein d'éléments plutôt de l'ordre de l'expérience utilisateur qui sont hyper intéressantes, du genre je surligne en fait le passage dans le texte qui m'intéresse et c'est en gros je fais clic droit exporter et j'arrive directement à exporter l'extrait vidéo qui correspond à ce passage-là dans l'interview. Donc tu vois, c'est plein d'éléments après d'automatisation qui sont super optimisés. Donc ça, c'est un des exemples. Après, en ce moment, on travaille aussi beaucoup sur des choses comme la découpe automatisée de contenu. À l'heure actuelle, c'est beaucoup de travail à la main. Donc si déjà tu as un algorithme qui va te prédécouper déjà les séquences au sein d'une même émission, c'est super intéressant en fait, hein. C'est déjà un gain de temps qui est énorme et du coup la personne qui faisait ça peut peut-être passer un peu plus de temps sur la dimension éditoriale pour peut-être habiller ce contenu là, mieux le pousser sur les réseaux sociaux, mieux l'habiller, ce genre de choses, ou peut-être mieux le monter derrière, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. En ce moment, on s'intéresse aussi à détecter en fait des éléments à l'intérieur des vidéos. Est-ce qu'il y a une bonne parité homme-femme, une parité en termes de groupements politiques qui sont bien représentés dans les médias. Voilà, c'est plein de sujets comme ça qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle. Après, donc là, je viens de parler du contenu, mais tu as plein d'autres cas d'usage qui sont assez classiques, hein, dans les médias, type recommandation de contenu. Tu vois, tu vas personnaliser l'expérience en fonction du profil, en fonction de l'historique de lecture. Tu vas pousser la bonne vidéo, par exemple, sur MyTF1, qui va bien correspondre en fait à la consommation de la personne qui va arriver au bon moment après telle vidéo, et ça s'enchaîne de manière hyper fluide. Donc ça aussi, c'est l'IA qui va t'aider à faire ça. Puis après, bien sûr, tu as toutes les technologies autour du ciblage publicitaire, où là c'est plus côté annonceur que ça va les intéresser, où tu vas pouvoir faire des segments pertinents d'utilisateurs et leur pousser la bonne pub au bon moment. Voilà, ça c'est tout un tas de cas d'usage. Je pourrais en parler pendant des heures, mais ouais, c'est vrai qu'il y a plein d'applications concrètes de l'intelligence artificielle dans les médias. Si on veut être un peu honnête, je pense, sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, il y aura quand même deux éléments, si tu veux, je pense, à envisager. C'est que déjà, d'une part, on sait que l'introduction de technologies révolutionnaires dans certains secteurs et sur certains métiers, parfois, ça supprime des emplois. Enfin, c'est pas parfois, je dirais systématiquement, ça supprime des emplois dans certains cas, pas dans tous les cas, pas sur tous les métiers, mais en fait systématiquement, quand on a l'introduction d'une grosse technologie, c'est le cas. Typiquement, si tu regardes les précédentes révolutions industrielles, tu vois, des trucs comme la machine à vapeur, ou des trucs... tu vois, tu peux partir de technologies beaucoup plus basiques, comme par exemple une caisse automatique dans un magasin, tu vois. Ben oui, sans doute que les caisses automatiques dans les magasins, ça a fait diminuer le nombre d'emplois au total en France ou dans le monde pour des gens qui étaient caissiers ou caissières. Donc ça, c'est quand même une réalité. Mais en parallèle de ça, il y a quand même deux autres effets. C'est que déjà dans plein de cas, en fait, tu vas apporter la technologie en complément du travail de l'humain, parce qu'en fait, tu peux pas remplacer l'humain. Dans plein de cas, en fait, ça va être juste une aide, en fait, dans ton travail du quotidien. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a aussi plein de cas dans lesquels ça ne peut juste pas du tout remplacer l'humain. Tu vois, il y a plein de métiers, en fait, et plein de compétences que tu ne pourras pas remplacer, à mon sens, à court terme, par la machine. Donc, et je pense que le cas le plus important, c'est celui que j'ai cité au milieu. C'est le deuxième cas, c'est un peu le mi-chemin. C'est en fait, j'utilise l'intelligence artificielle pour avoir un outil au quotidien qui va m'aider dans mes tâches, mais qui ne va pas me remplacer. Si tu veux, l'exemple typique, c'est de dire que typiquement le fait d'avoir créé des tableurs, tu vois, sur les premiers ordinateurs, et d'avoir in fine créé des outils comme Excel, ça n'a pas disrupté les comptables. Tu vois, tu as quand même des gens qui bossent sur de la compta, et c'est pas l'outil tableur en tant que tel qui a remplacé le comptable. Donc c'est vraiment un truc qui t'a facilité la vie, mais qui ne remplace pas l'humain, parce que dans le boulot d'un comptable, il y a aussi plein d'autres éléments qui n'ont pas été automatisés. Tu vois, tu as besoin d'avoir une relation à l'humain, à ton client, tu vas comprendre son activité, tu vas peut-être adapter, tu vois, je sais pas, tu vas lui dire, ah bah tiens, l'année prochaine... qu'est-ce que tu prévois comme dépenses ? Bah, du coup, on va modifier ton budget dans l'Excel, etc. Et ça, l'Excel ne le fait pas tout seul, en fait. Il y a une relation humaine aussi en tant que comptable, expert comptable, typiquement. Et en fait, l'IA, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut la voir. En fait, dans la majorité des cas, ça va être ça. Tu vois, typiquement, là, je viens de te parler des cas d'usage dans le journalisme. Ça ne veut absolument pas dire que le journalisme, demain, le journaliste est remplacé par un algo d'intelligence artificielle. C'est juste un outil supplémentaire qui va lui faire gagner beaucoup de temps, et qui va lui permettre de dégager plus de temps, comme tu le disais très bien, sur des éléments, en fait, qui sont propres à l'humain, et des éléments de créativité. Ça va lui permettre de passer, typiquement pour un journaliste, de passer plus de temps sur le terrain, plus de temps peut-être sur le montage, sur la préparation de ses interviews, sur le choix des sujets. Et en fait, c'est des trucs qui sont super intéressants. C'est un mouvement de fond qui est super intéressant. C'est-à-dire que tu remets en valeur la créativité humaine par rapport à des éléments de ton quotidien dans ton travail qui étaient finalement très systématisés, très mécanisés, enfin très mécaniques si tu veux, et que tu vas évacuer maintenant dans ton quotidien, et que tu vas déléguer à l'algorithme. D'intelligence artificielle générale qui va pouvoir, tu vois, même peut-être, tu sais, l'intelligence artificielle de second niveau qui va avoir conscience d'elle-même, etc. Ça, c'est vraiment de l'ordre de la science-fiction à l'heure actuelle. Alors après, certains te disent j'y crois à long terme, mais en fait, tu es plus dans une notion de foi en la technologie plutôt que de réalité. C'est vrai qu'en fait, le truc le plus réaliste, en fait, c'est de se dire qu'effectivement, tu appliques un algorithme qui va auto-apprendre sur des cas très précis et voilà. Mais en fait, cet algorithme-là, il n'a même pas conscience. Enfin, tu vois, c'est pas une entité en soi. A priori, il n'a pas conscience de lui-même et il ne peut pas prendre d'initiative, réagir à des imprévus sur lesquels il n'a pas été entraîné. Tu vois, donc tu as quand même des vraies limites techniques. Et effectivement, les cas d'usage que tu cites là, dans la médecine, ils sont super intéressants à plusieurs titres. En fait, c'était effectivement un fameux truc qui avait fait un petit buzz à un moment donné. C'était une compétition en 2018 qui avait eu lieu à Pékin entre une intelligence artificielle qui allait scanner, étudier en fait des radios, je crois que c'était des radios des poumons, et qui devait identifier des tumeurs en fait dans ces radios-là. Et il y avait une compétition entre cette IA qui a été entraînée spécifiquement sur ce cas d'usage et des médecins qui étaient radiologues spécialistes de la détection des tumeurs. Et en fait... déjà, ce qu'on voit, c'est que effectivement, l'intelligence artificielle qui a été entraînée spécifiquement là-dessus, elle est très performante. Et en fait, elle dépasse, si vraiment on compare les humains et l'intelligence artificielle, en l'occurrence, elle dépassait le score des humains. Donc ça a fait grand bruit parce que c'était, tu vois, le fameux truc de « Ah, mais ça y est, on est arrivé au stade où l'IA va nous remplacer ». Et d'ailleurs, regardez, elle est même capable de remplacer les humains les plus intelligents qui ont un doctorat et qui sont ultra spécialisés dans leur domaine. En fait, la réalité du truc, c'est que effectivement, ça montre que l'IA, quand tu l'entraînes sur un cas d'usage très très précis, avec tout un tas de données qui sont bien triées, bien clarifiées, bien structurées, et que tu vas l'entraîner sur un gros volume de ces données-là, elle va savoir en fait te prédire si effectivement la donnée que tu lui envoies, elle correspond ou pas à une tumeur. Et en revanche, ce qu'on a oublié souvent de mentionner autour de cette actualité-là, c'est qu'en parallèle de ce concours-là, si on regarde les performances d'un algo d'intelligence artificielle en collaboration avec un humain, on dépasse le score de performance de l'IA seule. Ça veut dire un truc qui est très très important, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle, elle va en gros t'aider et dégrossir le travail. En fait, elle va faire l'essentiel du boulot, mais en revanche, elle n'est pas capable d'avoir... une réflexion sur des éléments de contexte et sur pas mal d'éléments historiques que le médecin peut avoir en fait, du fait de son expérience personnelle. Et en fait, le mélange de l'expérience personnelle de l'humain plus sa connaissance du contexte, sa capacité d'abstraction à aller comprendre peut-être la situation du patient ou peut-être aller tirer parti d'autres éléments de l'historique de ce patient-là, ou peut-être d'un ressenti personnel. En fait, en combinaison avec les résultats de l'IA, il va arriver à un niveau de prédiction, en fait, un niveau de qualité des prédictions sur le fait qu'il y a une tumeur ou pas, qui est plus importante. Et ça, c'est super intéressant philosophiquement parce que, en fait, c'est bien la preuve que on va pas sortir l'humain de la boucle tout de suite, quoi. En fait, même dans des cas dans lesquels l'IA est très très performante, en fait, ça reste un outil plus qu'un remplacement. Je pense que si on prend la notion générale de travailleur, tu vois, et si on ne parle pas forcément des gens qui sont amenés à être spécialistes de ce domaine-là, je pense qu'il y a deux trucs. C'est d'un côté, effectivement, ce que tu disais là, à la fin, qui à mon avis est super important, c'est vraiment essayer de développer ce qu'on appelle les soft skills, qui sont les compétences très liées très différenciantes en fait de l'humain par rapport à la machine, qui sont effectivement des notions d'empathie, des notions plutôt autour de la créativité, autour de la communication, autour de ce genre de choses. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que les soft skills, ça a vraiment de l'avenir demain dans les métiers. Et d'ailleurs, quand on lit un petit peu les rapports sur l'évolution du monde des ressources humaines et par exemple les éléments qui sont les plus regardés par les recruteurs, en fait, il y a de plus en plus d'éléments autour du soft skills. On voit que c'est un truc qui est très, très mis en valeur. Et donc ça, c'est le premier élément, je pense, qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement il faut développer ces compétences-là qui sont non techniques et qui sont très propres à l'humain. Et le deuxième élément, c'est que je pense qu'il faut s'intéresser fortement à l'intelligence artificielle, ça c'est clair, mais on n'est pas obligé de devenir chacun développeur. Tu vois, il y a une vraie différence entre le fait d'aller concevoir ce système-là et de savoir travailler avec ce système-là et ou l'envisager dans son cadre de travail. Tu vois, typiquement, je pense que c'est important de comprendre plus ou moins le concept d'intelligence artificielle et derrière les concepts un peu techniques qu'il peut y avoir, comprendre les limites de ces algorithmes-là, mais aussi les cas d'usage potentiellement, l'intérêt que ça peut avoir et dans quel contexte. Parce qu'en fait, en connaissant ça, si tu veux, finalement, tu peux réussir à bien l'intégrer dans ton quotidien, à bien travailler avec, et en fait, ça va être le lot de beaucoup de métiers demain, de travailler avec de l'intelligence artificielle, d'être alimenté par l'intelligence artificielle ou d'être accompagné. La plupart des bouquins que je lis sur l'IA, c'est des bouquins de gens qui finissent par être intervenants sur le podcast. Et donc, je vais te citer deux bouquins qui ont été écrits par des gens qui sont passés sur le podcast et que, pour le coup, j'ai trouvé hyper intéressants. Il y a effectivement donc Prediction Machine dont je parlais, mais j'ai pas eu d'intervenant, pour le coup, sur le podcast parce qu'ils sont anglophones. Mais il y a le bouquin de Gaspard Koenig qui est hyper intéressant. Ça s'appelle Voyage... comment ça s'appelle ? Voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle, quelque chose comme ça. Enfin, je te laisserai mettre peut-être le lien et le vrai titre exact dans la description de l'épisode. Enfin, en tout cas, c'est le bouquin de Gaspard Koenig sur l'intelligence artificielle. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, Gaspard Koenig, c'est quelqu'un qui va avoir un œil neuf en fait sur l'intelligence artificielle, un œil de non-technicien au sens non-technicien autour de la création, non-technicien informatique, je dirais. Mais il a tous ces réflexes de réflexion d'un philosophe et toutes ces références philosophiques, et c'est très 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 intéressant parce qu'il va mettre en parallèle des courants philosophiques et notamment le libéralisme en fait. Ah oui, c'est ça, son titre de bouquin c'est « La fin de l'individu ». La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle. Et en fait, il va poser en comparaison, si tu veux, la notion d'individu et la notion même de libéralisme, en comparaison avec les mouvements qu'implique en fait le développement de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a plein de cas dans lesquels ça va un peu, l'intelligence artificielle va remettre un peu une espèce de communisme technique au goût du jour, je dirais, si je vais un peu loin. Mais du moins, tu as des notions comme la notion du nudge, qui est en fait le fait d'aller guider un peu, d'aller forcer un peu la main aux gens pour qu'ils aillent dans telle ou telle direction, qui vont arranger l'algorithme. Et tout ça, en fait, il le met aussi en opposition avec des notions comme la notion d'individu et de libéralisme, de liberté individuelle. Et donc, ça, c'est super intéressant. Et il y a un bouquin aussi de Jean-Philippe Couturier, qui est en fait le fondateur d'une boîte qui s'appelle Wooz, et qui est professeur d'ailleurs par ailleurs dans plusieurs écoles de commerce. Et en fait, Jean-Philippe Couturier, il écrit un bouquin qui s'appelle « Quand mon boss sera une intelligence artificielle ». Et c'est super intéressant parce que là, pour le coup, il aborde en fait toutes les thématiques justement autour de l'emploi. C'est vraiment est-ce que demain, en tant que salarié, je vais être dirigé par une intelligence artificielle ? Est-ce que demain, ça supprime mon job ou pas ? Et comment demain, je peux évoluer en tant que travailleur, qu'humain travailleur, dans ce monde qui va impliquer énormément d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est aussi passionnant. C'est pareil sur toutes les thématiques RH, emploi, monde de l'emploi et intelligence artificielle, c'est passionnant aussi. Ouais. L'un des éléments sur lesquels l'intelligence artificielle est faible, c'est l'adaptabilité. En fait, l'intelligence artificielle, elle est entraînée pour un cas d'usage très très précis, on en a parlé, et en fait, quand on sort de ce cadre-là, elle est perdue. Elle ne sait pas réagir à l'imprévu. Ça, c'est un des vrais éléments négatifs côté IA. Et pour le coup, en fait, une des valeurs ajoutées, une des vraies compétences de l'humain dans ce cadre-là, c'est effectivement, je le disais, le contexte, etc. Mais c'est aussi, en fait, de savoir se former et savoir réagir à des situations nouvelles. Et au-delà de ce qu'on peut en comprendre en fait en termes de réactivité au quotidien sur des situations imprévues, il y a vraiment sur le long terme cette notion d'auto-formation continue. Et en fait, je pense que c'est très important de continuer à se former et de lire des bouquins, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, de suivre des formations en fait sur ces nouvelles techniques et des techniques un peu parallèles à son métier, parce qu'en fait c'est ça qui va permettre demain d'être super efficace en tant que travailleur, c'est de en fait savoir intégrer la technologie dans son métier et ne pas la subir. Et ça, je pense que c'est un élément qui est super important, et je dirais que c'est vraiment l'élément majeur sur lequel il faut insister quand on pense au marché de l'emploi et à l'intégration de l'IA. C'est vraiment en fait continuer à vous former, continuer à vous intéresser aux technologies et à leur intégration dans votre métier, et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir vraiment suivre la cadence, quoi. Merci à Fabien d'avoir accepté mon invitation, et je vous invite, si l'épisode vous a plu, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Azap.